Salut à tous, ici Tsukoizi, les Wanda Fori, Wanda Yamanguru. Alors aujourd'hui, on a posé une question osée. On a demandé du coup aux filles si elles sont déjà sorties dehors sans sous-vêtements. C'est bien voilà, ça. C'est bien ça. C'est osé quand même, hein. Oui. Donc il y a des réponses assez. Vous allez voir. Avant le visionnage de la vidéo, je vais vous parler de deux youtubeurs qui font des dingueries. Ils s'appellent les Dégradés. Alors eux, ils font des caméras cachées et des pranks. Et nous, on adore les caméras cachées et les pranks. Donc donnez-leur de la force. Allez vous abonner à leur chaîne. Mettez des liens à pouce bleu. Commentez en commentaire partout. Comme des virus, partout, on compte partout. Et donnez-leur de la force. De toute façon, on va vous montrer quelques séquences, comme ça, vous ferez un petit avis. Je vais vous montrer. Je vais te poser une question. On est en quelle année, là? Ah, sérieux? Ok. Et deuxième question, c'est quoi ton numéro? C'est quoi déjà ton prénom? Et après, c'est quoi ton numéro? Ça, c'est la troisième question. Trois questions. C'était très smooth. Ok, merci. Et tu t'appelles? Moi, c'est Guirec. Guirec? Ouais. C'est breton comme nom. C'est quoi ton numéro? 078. 078. 735. Est-ce que tu sais comment baisser une vitre? Si je monte au premier étage d'un appartement, comment ça se fait que j'arrive à toujours faire mes lacets le matin? Baisser une vitre, ouais. C'est-à-dire d'une voiture, par exemple? Ouais. Oh, c'est trop compliqué pour nous, on a du taf à faire, on se reprend après. En fait, non, je me suis réveillé ce matin et je me suis dit, comment baisser une vitre, en fait? D'accord. Et j'ai pensé que t'allais m'aider, mais... Non, je vois pas trop comment tu peux faire. Tu as un petit accent, j'ai l'impression. Non, même pas. Pas du tout. Tu es parisienne à 100%. Non, je suis tourangelle. Ah, c'est où ça? C'est au centre de la France, à Tours. D'accord, ok, à Tours. À Tours, ok, d'accord. À Tours, voilà. Alors dis-moi, est-ce que t'es une personne plutôt honnête de la vie en général? Ouais. Très bien. J'avoue. Alors c'est une question un peu osée, donc il faut répondre honnêtement. Alors la question c'est, est-ce que tu es déjà sorti dehors sans sous-vêtements? Dehors sans sous-vêtements, ouais, probablement. Ah, c'est arrivé? Ouais. Et comment vous vous sentez du coup? Plus libre, plus léger? Non, pas forcément. Forcément, c'est plus. Non, ouais, c'est plus. Sans culotte, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu te sentis plus libre? Ça t'a pas dérangé un petit peu le vent et tout? Ça va? Non, c'était pour mon mec. Ah bah ça va, c'est pour ton mec, bon, c'était ça va. Temporaire. Ah, c'est temporaire. Ok, ok. Bon, merci à toi. Hein. Non. Jamais, vraiment, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah, c'est rare, hein? Ouais, c'est rare. Ah, c'est la première fois qu'on nous dit ça. Hein. Non. Jamais, vraiment, jamais? Non, jamais. Pourquoi? Pourtant, il y a beaucoup de filles qui nous disent qu'elles sortent des fois sans sous-vêtements, comme ça et tout, ça arrive. Toi, non? Non, je peux pas, c'est impossible. Ça t'est vraiment jamais venu à l'idée? Non, c'est pas possible. D'accord, ça marche. C'est mort. Ça marche, que ça marche. Oui, parce que je suis photographe, ouais. Et modèle, et maquilleuse, etc. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. D'accord. D'être souvent... Sans rien, quoi? Sans rien. C'est pas grave. Ok, et du coup, est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien ou c'est comment? Bah, parce que nous, les hommes, c'est plus compliqué. Oh, j'ai... Ouais, c'est pour ça. Il paraît que ça remonte les seins quand on a pas de vêtements. Ah, sérieux? Ouais. Pourtant, ils sont pas très hauts, hein. Ouais. Je rigole. Là, j'ai un soutif, j'ai la vie. D'accord, ok. Non, mais il paraît que ça galbe bien la poitrine quand tu mets pas de soutif. Ah, d'accord. Donc, okay. Mais ça dépend aussi la poitrine que tu as, si elles sont si petites. Elle est assez grande ou voilà. Voilà, mais j'avoue, pour les grosses poitrines, c'est un peu galère de pas mettre de soutif. Ouais, parce que en plus, on voit très bien, tu vois, donc en même temps. Accessoirement, on voit très bien. Voilà, c'est pour ça aussi. Okay. En tout cas, merci à toi. Ben, de rien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être sorti sans sous-vêtements? Oula, c'est quoi ces questions? Mon gars, bah oui, ça arrive. Mais c'est compliqué parce que comme j'ai un gros serpent, bah il y a des bosses après. Et les bosses, si on les voit, bah après, c'est un peu, voilà. Ça va faire balance ta merguez, tu vois, c'est pas bien. De temps en temps. Si je veux jeter la poubelle ou quelque chose, oui, comme ça. Oui, ça, 60. D'accord. Mais à dire que sinon, en général, non. Tu mets toujours tes sous-vêtements. Bon, bah oui. Ouais, parce que ça, on sait jamais. Ouais. Parce que nous, les hommes, c'est plus compliqué. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Bah, parce que voilà. Voilà, quoi. Ok, d'accord. Alors dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir dehors sans sous-vêtements? Oui. Ah ouais? Ouais, d'accord, ok. Et c'est mieux ou pas qu'avec? C'est mieux ou pas, du coup? On se sent plus léger, je pense, non? On se sent plus léger, vous êtes déjà essayé? Bah, moi, je suis un homme, donc c'est un peu compliqué parce que je t'ai contrôlé mon truc. Parce que t'as contrôlé, bah oui, parce que sinon, c'est une bosse. Ouais, tu vois? Ok. Ok, en tout cas, merci à toi. De rien. Merci beaucoup. Bah, oui. C'est arrivé? Oui, oui. C'est mieux, oui. Du coup, c'est mieux ou c'est moins bien? Bon, ça dépend, je pense. Ça dépend si c'est. S'il fait chaud, s'il ouais. Fait froid. Quand on va dire qu'il fait chaud, c'est quand même mieux d'enlever, c'est mieux quand il fait chaud. C'est mieux, non? Oui, c'est mieux. Voilà, oui. C'est normal, ouais, voilà. Ah, oui. Ah, c'est arrivé. Et du coup, est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien?
pas, ça dépend. Pour nous les hommes, c'est moins bien forcément. Oui. Et pour vous du coup? Bah, ça dépend des moments. Des fois oui c'est bien et des fois on se dit bah non. Ça vient, ça dépend des moments du mood quoi. Voilà. Sans sous-vêtements. Oui. Bah... parce que nous les hommes c'est plus compliqué, forcément. Oui, en général. Bah c'est pas mon délire mais ouais. Ouais ça m'est déjà arrivé dans ma vie parce que c'est comme ça, des fois tu prends un short et puis voilà quoi. Et du coup est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien en général? Je sais pas, j'ai pas assez fait et c'est pas assez mon projet dans la vie pour faire des stats etc. Rien voilà, voilà. Ok ça va, donc merci à vous. Sans sous-vêtements? Ah non. Jamais? Non. Ça arrive, ok d'accord. Merci d'avoir visionné la vidéo, dites en commentaire, bah du coup les filles, si vous êtes déjà sortis sans sous-vêtements dehors, faut le dire, les gars aussi. Laissez des pouces bleus aussi. Ouais, bien sûr, et partagez hein. La vidéo. Voilà, très bien. Merci beaucoup.